Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer une zone de chauffe avec les programmateurs connectés EasyPilot. Alors d'abord, EasyPilot, qu'est-ce que c'est? EasyPilot est un programmateur connecté qui va vous permettre de contrôler vos radiateurs électriques à distance depuis n'importe où via votre smartphone. Vous pourrez faire des programmations, envoyer des ordres de chauffe et créer des zones de chauffe. Alors créer une zone de chauffe, c'est utile si par exemple vous avez plusieurs pièces dans votre maison et que vous voulez les contrôler en même temps. Donc par exemple, avoir exactement la même température dans une chambre que dans une autre chambre ou que dans le salon. Donc là, vous pourrez vraiment contrôler à toutes vos pièces en même temps. Donc en premier temps, on va dans l'application Easy. Là, par exemple, j'ai deux produits. J'ai une chambre et j'ai la chambre 2. Donc si je veux créer une zone, je maintiens appuyé le produit qui est le plus bas pendant quelques secondes et je le glisse sur l'autre produit. Moi, je rafraîchis la page et on voit bien donc qu'il y a une zone qui a été créée. Donc je peux renommer cette zone, hein. Je vais la renommer chambre, je rafraîchis et là donc je vois bien que ma zone a été créée. Si je veux voir ce qu'il y a dans la zone, je clique sur le petit icône à gauche. Donc là je vois bien qu'il y a toutes mes chambres. Là à partir de là donc on peut envoyer des ordres de chauffe, donc le mode confort, le mode écho ou le mode hors gel. Mais on peut également donc créer des programmations qui seront donc communes aux deux produits qui sont dans la zone. Voilà par exemple je fais comme ça. Donc voilà, la programmation est bien prise en compte pour ma zone. Ensuite, si je veux enlever les produits d'une zone, je sélectionne encore le produit qui est le plus bas. Je le fais glisser en haut. Et je rafraîchis la page. Et donc voilà, donc je vois que les produits sont donc enlevés de la zone. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web www.easy.com ou bien sur notre page YouTube. À bientôt!